waxa weyn galabta waxaan halkan isku nimidnay Centre Technique National barnaamij ku saabsan maaratay horumarinta kubadda cagta ee xagga haweenka. Waxa weyn sanad walba waxaa xidhi kubadda cagta Djibouti wuxuu qabanqaabiyaa horyaal maaratay hablaha oo di ah noqdo, waxa idiisa noqdo, ikiisa noqdo. Waxaa kaloo taan oo raaca wax festival la yiraahdo oo iyo hablaha yar yar aanu sameyno si maanta kubadda ugu soo jiidi lahayn nambarka hablaha xada ciyaara kubadda cagta u badnaan lahayeen. Marka ujeedadan isugu keenay halkan taa oo la kaashanay xilli kasta wasaaradda xada tacliinta iyo wasaaradda jeneskoorka oo halkan waxa wasiirka Mustafa maxaad anagu ugu mahadnaqayo iyo wasiirka Xasan Maxamed Kamiil oo xilli kasta na garab jooga horumarinta sportiga na garab jooga baska vidiyaga maaratay sportku waa dikaso nationalka. Kolka waadarsi waxaa inta hablood baa kasoo qayb gashaday xafladan si fiican loo agaasimay. Insha allah waxaan rajaynayaa inay kasoo baxaan hablo yar oo maaratay baridi kubadda cagta maaratay xilka hadday noqoto xulka yaryar iyo xulka weynba maxaa caalamka Djibouti difaacan doolara. Taana nabadgelyada xadiidka kubadda cagta Djibouti horumarinta kubaddu rag iyo hablo baan kuwaas kamid. Meelka baarite fixan gaadhay waxaa jirta kubadda cagta way gaadhay abstrasyonga. Hablan rag iyo dumar is leegihiin antarnerada saasi leeg arbitrada saasi leeg horyaaladiina saasi leeg ekip nationala saasi a baa jira idisad baa jira ikens baa jira raggan waa sidaa dumarkuna waa sidaa sida insha allah maaratay halka baan maxaa taana waa hadafkii madaxweyneena iyo barnaamijdaanu u jeexeen horumarinta maarta haweenku xagga hore fada xiriirka kubadda cagta Djibouti ka jirta. Derrière nous, l'objectif de cette journée pour les filles, ben pour le moment, les réussites. On voit des petites filles vraiment très épanouies. C'est notre première manifestation pour démarrer la saison après le coronavirus. Notre objectif, c'était de soutenir surtout ceux et celles qui sont auprès des joueuses tous les jours, c'est-à-dire les instituts, les professeurs, les professeurs des écoles. Et à les voir, ils sont très très contents et c'est notre objectif aujourd'hui, c'était surtout celui-ci. Mais malgré ça, on voit des très très bonnes joueuses et ça c'est aussi intéressant pour l'avenir. Zeyneb, je suis venue de France pour effectuer un stage au sein de la Fédération Djiboutienne de football. Mon sujet de mémoire, c'est le football féminin à Djibouti. C'est à cette occasion qu'on a voulu faire un événement justement pour les jeunes filles. Et en même temps, vu que c'était la journée internationale de la fille, on a profité pour rassembler tout ça. Donc on a organisé une journée à destination des jeunes filles de 6 ans à 12 ans. On a voulu que ce soit un événement qui soit ludique, où les jeunes filles s'amusent comme on peut le voir, tout en les sensibilisant sur tout ce qui est gestes barrières au coronavirus, propreté, c'est notamment pour ça qu'il y a la présence de la mairie, donc pour inciter les jeunes filles à jeter les détritus dans les poubelles. Également, on a fait intervenir des personnes sur tout ce qui est hygiène. Donc comment nettoyer les aliments avant de manger, comment bien se laver les mains,
également comment bien se brosser les dents. Donc on a profité de l'événement justement pour sensibiliser les jeunes filles sur tout ça. Stade municipal, on court pas maintenant, on court là-bas, magaï, fédération tunisienne de football, président de la commission féminine de football. Agamato, on nous joue là, on a célébré la journée mondiale de la fille. On a aussi eu hier la commune de Blaus, l'école de commune de Blaus, hier la école de capitaine de commune de Blaus, on a. Oh, hakan, après ça, qu'est-ce que c'est là? Sidan uga qayb gelinahayn hablaha yar laanta kubada cagta anaga ku sameeyneena ee tahay ujeedadeedu ee tahay ina detection ka sameysano detection assalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh mise ali mohammed ali école de rhiba 15 fi bahe football initiation jamine bidis de 15 fi detection ken gabna inshallah fitir équipe joueuse équipe nationale ngene digrana keena hay niya keni tahayna ken dorra ana way ne ki biko deja set detecté abe entraîneur fédération warseyo arrive invité ken benno éducation na kadu partenaire hay ani urut moral hayna équipe nationale ne yefani ke inshallah assalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh. Chef de service des sports et de la culture du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Aujourd'hui, nous célébrons la journée mondiale et internationale de la fille en collaboration avec la Fédération djiboutienne de football et la mairie de Djibouti pour les gestes barrières ainsi que la sécurité des combats contre Covid-19. Aujourd'hui, nous avons convoqué 8 écoles de l'enseignement de base. Ces 8 écoles-là sont dans la commune de Boulhas, qui sont à proximité de la Fédération djiboutienne de football. C'est l'école de Hadji Diné, l'école de Carte 6, l'école de Carte 5 bis, l'école de Guélébetel, l'école de Estad, ainsi que l'école de CPE, où on n'a pas oublié les enfants à besoins spéciaux, les enfants sourds, les filles qui sont sourdes, qui ont participé aussi à cette activité. Donc, je remercie la Fédération djiboutienne de football, ainsi que la RTD pour cette collaboration. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.